qui ce soir. Alors bonjour, Alexandre Huard de la Fédération pour la paix universelle. Un petit coucou. Voilà. Alors, la Fédération pour la paix universelle travaille sur des problématiques de paix. Et on est ici autour de trois thématiques, donc le sport, l'éducation et l'humanitaire. Donc, le sport, c'est vraiment un véhicule de paix, ça attire les gens, ça permet de se transcender, vraiment dépasser ces différences pour pouvoir jouer ensemble, parce qu'on est attiré par le sport. Et du coup, ça permet à des gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer, de se rencontrer. Donc, on organise des événements comme ça. Ensuite, il y a l'humanitaire, donc pour nous l'humanitaire ça permet de vraiment ouvrir le cœur des gens, de guérir des plaies du passé, des sentiments ennemis passés par exemple, et justement de s'ouvrir et de faire un pas vers l'autre et ainsi amener un sentiment de paix, quoi. Après au niveau de l'éducation, pour nous il n'y a pas que l'intelligence qui est important, il y a le cœur aussi, donc d'où aussi le côté humanitaire associatif, quoi. Mais du coup on a plein de projets aussi au niveau de la construction d'écoles ou apporter de l'éducation dans des écoles, que ce soit en Afrique ou dans différents pays du monde, quoi. Donc on est venu représenter aussi des associations partenaires avec nous. Je sais plus, tu voulais donner un petit mot sur la Fédération des femmes ou ça va? Ça va, un petit mot? Bon, sur l'organisation, la Fédération des femmes pour la paix mondiale et l'unification, nous sensibilisons surtout les épouses au sein des foyers, parce que nous savons que c'est au niveau de la famille, surtout des épouses, que les enfants peuvent recevoir vraiment de très bonnes éducations et pouvoir vraiment être pour l'avenir de demain. Et c'est dans ce sens que je compte apporter vraiment ce message à partir de cette vidéo pour dire que notre organisation mobilise dans ce sens. On a notre organisation qui s'appelle la Fédération des femmes pour la paix mondiale et l'unification, unit les femmes dans un monde, car c'est à partir des femmes que nous pouvons vraiment développer un monde meilleur à travers une très bonne éducation pour nos enfants. Donc c'est ce message vraiment que je voudrais lancer. Merci. Merci beaucoup Rachel. Alors voilà, il y a d'autres associations, mais ça donne ça. Merci beaucoup. Le petit cri. Attention, 2, 3, FPU. Voilà.